Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour une vidéo sur Palm Beach Simulator sur PS5, donc je vous présente enfin la version console. Donc je vais choisir une ville du coup. Alors au début on doit choisir une ville où commencer notre jeu d'origine, donc je mettrai le son après parce que là franchement ça gueule à mort. Donc je vais prendre, on va partir de Nice, on va aller vers Marseille. Donc, pour créer ma ville, je vais faire ça, hop. Donc je vais zoomer, je vais prendre Nice par exemple, voilà. Ça, ce sera ma ville. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous avez un périmètre d'origine dans le jeu et vous ne pouvez pas aller partout. En fait, vous pouvez aller que dans la zone blanche et après, par exemple, si je vais à Marseille, la zone blanche va s'agrandir vers peut-être d'autres villes, Perpignan, tout ça. Donc je vais faire sélectionner. Donc j'ai juste abaissé ici, donc là, je vais de la mort. Donc son. Hop. Je vais être à 50%. Donc j'ai la musique. Mettre 50%, voilà, la musique je vais désactiver parce que moi ça me saoule, la musique ça m'énerve, la musique elle m'énerve dans le jeu, je trouve qu'elle est un peu chiante, c'est comme sur PC, hein. Sur PC aussi je l'ai enlevé, hop, désolé, donc là je vais mettre 50% également pour que ça n'ait pas trop faire pour qu'on entende bien parler, voilà, donc ce sera une petite vidéo découverte, pas très longue parce que bah, je pense que vous avez tous le jeu maintenant, et je voulais juste faire une petite vidéo en même temps, pour expliquer, parce qu'il y a une personne que j'ai rencontrée sur Facebook, ne savait pas comment créer des trajets. Donc c'est pas très compliqué, mais voilà, je préférais quand même faire, vous expliquer comment faire, parce que certaines personnes ont un peu du mal sur le jeu, pourtant c'est pas compliqué, hein, c'est très facile à faire. Donc voilà, hop. Donc ça c'est bon, validé, ok. Donc ça c'est bon, validé. Donc du coup, j'entends dans le jeu. Donc au début du jeu, vous allez partir, voilà, vous êtes, là c'est bon, c'est un autre compte, un mois PlayStation, hein. Donc rang 0, XP 0. Donc ce que vous allez faire, c'est rayon de kilomètres, 250 km. Donc là c'est votre rayon pour l'instant, vous êtes à 250 km de rayon. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle ville, si vous débloquez une autre ville, ce rayon va s'agrandir à 250 km de la nouvelle ville que vous avez découvert. Voilà, donc ce que vous allez faire quand vous allez jouer au jeu, donc là vous êtes débutant, donc niveau débutant, 1, 4, donc hop, au level 1, vous allez débloquer les enregistrements express. Level 2, vous allez débloquer le Million Coach C. En level 3, vous allez débloquer l'itinéraire de nuit. Et en level 4, vous avez utilisé, vous allez débloquer les itinéraires Flixbus. Mais l'itinéraire Flixbus, pour l'instant, c'est pas sur PlayStation, on les a pas. On peut pas les faire pour l'instant. Il faut sûrement attendre une nouvelle mise à jour. Donc malheureusement, j'ai vu une info sur Facebook. Du coup, Fabien Mouleg a dit qu'il n'y aura pas de mise à jour Day One. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour Day One de prévu. Et la mise à jour, il n'y aura pas de mise à jour cette semaine. Donc on va commencer un trajet pour vous expliquer comment créer un trajet, c'est très simple. Donc là, vous êtes dans le jeu, mode de jeu, vous allez choisir un mode de jeu, soit libre ou carrière. Donc moi, je vais partir en mode carrière, c'est plus simple. Ensuite, vous avez du coup, jeu libre, navette ou Flixbus. Donc là, vous devez vous mettre en Flixbus. Après, là, vous appuyez juste sur nouveau, X, voilà. Ensuite, vous interagissez avec la carte, vous faites triangle. Et là, vous pouvez choisir votre ville de destination. Donc moi, je le choisis pour l'instant, comme je pars de Nice, j'ai Nice, Grenoble ou Marseille. Donc moi, on va partir de Marseille, donc du coup, de Nice jusqu'à Marseille, on va faire Nice, Marseille, voilà. Après, vous faites sauvegarder, voilà, retour. Non, excusez-moi, ça a pas marché, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Attendez, hop, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, X, tac, attendez. Voilà, là vous faites rond, là vous faites retour et vous faites sauvegarder. Voilà, c'est bien ça, là ça a marché. En fait, vous faites du coup nouveau, vous choisissez je vais recommencer pour vous remonter, hein, pour ceux qui ont un peu de mal, donc je vais faire quitter, voilà. Donc je refais nouveau trajet, vous faites triangle pour zoomer, vous faites Nice, Marseille, voilà, et vous faites retour pour sauvegarder. Donc après là, vous pouvez choisir, voilà, vous pouvez choisir si vous voulez renommer votre truc, mettre le numéro d'itinéraire, voilà. Là, vous pouvez changer si vous voulez faire l'inverse, Marseille. Mais là, par contre, il ne va pas vouloir parce que la ville sélectionnée n'est pas encore disponible comme ville de départ. Vous devez d'abord voyager jusqu'à cette ville pour la débloquer. Voilà. Ensuite, vous faites sauvegarder, donc X pour sauvegarder. Donc là, ça me dit 225 km, durée de voyage 2h36. Voilà, tac. Là, ça a validé mon trajet. Je vais jusqu'à suivant, donc avec mon analogique ou la... ou pas l'analogique, mais le joystick gauche ou, qu'on appelle ça, les boutons directionnels, vous faites suivant. Là, veuillez choisir un mode de commande. Donc moi, je vais mettre en mode arcade. Comme ça, c'est plus simple.
parce que là c'est pour une vidéo donc ça va être plus simple. N'affichez plus ce message, je vais faire arcade, voilà. Ensuite, vous avez plusieurs bus. Vous voyez, par l'instant, on a le Man Lyon Intercity R60. Attendez, on a quand même le Man Lyon Coach deuxième génération. Là, par contre, c'est le C2, que là, vous allez débloquer le C normal, après, en level 3. Ensuite, le Man Lyon Coach Intercity R60, le Man Lyon de Intercity R61, et le 62, qui est beaucoup plus grand, et on a le Neoplan Scalena. Donc moi, je vais partir sur un R61, voilà. Vous pouvez faire triangle pour modifier la couleur. Donc moi, je vais prendre une couleur d'origine, donc le Flixbus. Vous pouvez modifier aussi la plaque. Donc moi, je vais mettre TML... Rafi, voilà, je vais mettre Rafi. Pas m'embêter. Rafi. Voilà. 76. Ou Rafi 13, comme on est dans le... Non, moi, je vais mettre Rafi tout court. Hop. Vous voyez que ça a changé le nom. Rafi, voilà. Je fais rond pour quitter. Vous pouvez personnaliser votre personnage. Donc, on a classique, homme ou femme. Voilà. On a plusieurs personnages. Donc, moi, je préfère le classique parce que homme, il est bizarre. Retour, voilà. Ensuite, vous pouvez choisir arcade, le genre que vous voulez commencer. Donc, moi, je vais commencer. Donc là, vous pouvez choisir la date ou soit vous mettre en date de la console. Donc là, c'est la date de la console, le 1-3-2023. Voilà. Je suis désolé, j'ai mon fils qui est avec moi. Alors, c'est pas évident. Donc du coup, ensuite, c'est tout. Ah oui, l'heure, vous pouvez mettre soit l'heure normale, ou soit mettre l'heure de votre console. Donc moi, je vais mettre l'heure de la console. Et la météo, vous pouvez choisir la météo en fonction de l'époque. En fait, si vous êtes en hiver, bah, là, on est en... j'ai mis la date du 1 mars 2023. Donc forcément, si vous mettez... Vous jouez à l'heure de la console, si vous êtes en été... Forcément, vous ne pourrez pas mettre de neige. Là, la neige n'est pas sélectionnable. Donc, on va mettre du beau temps. On va faire démarrer la partie. Démarrer, voilà, démarrer le jeu. Démarrer le jeu. Hop, voilà. Donc là, ça charge. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Hein. C'est vraiment très, très simple à utiliser comme, comme système. Il faut juste comprendre le système du jeu, quoi. Donc là, on est au début. Donc là, on part bien de Nice. Voilà, on part de Nice. Donc du coup, je vais juste faire un truc. Après, je vais juste changer un truc sur le bouton. Donc là, du coup, pour valider votre voyage, là, vous êtes dans votre bus. Donc là, on est à Nice. Je vais faire start. Vous faites identification pour commencer votre voyage. Donc après, vous devez valider vos passagers. Vous devez bien sûr ouvrir la soute pour que les passagers puissent mettre leur bagage. Donc là, vous voyez que les bagages vont disparaître, voilà. Ils ont mis leur bagage dans la soute. Je vais valider tous mes passagers. Tac. Donc Marseille, c'est validé. Marseille, c'est validé. Marseille, c'est validé. Marseille, c'est validé. Marseille, c'est bon. Alors, s'il y a un qui ne va pas à Marseille, vous refusez. Marseille, alors, je ne sais pas si on va avoir le cas. Marseille. Marseille. Marseille, 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 il y a beaucoup de passagers aujourd'hui, Marseille, donc là c'est bon, Marseille, et après vous pouvez aussi voir les noms de personnages, par exemple là vous voyez, donc elle s'appelle Ira Wagner, vous pouvez voir vous-même, vous pouvez faire vous-même la recherche, voilà, Ira Wagner, elle est bien, donc vous faites valider, vous pouvez faire vraiment RP, vraiment vers le truc RP quoi. Ensuite, là, du coup, on a fini le passager. Donc, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est, vous voyez, là, le voyage doit partir à 9h18. Donc, vous pouvez aller tout en haut. En fait, avec le bouton de la flèche directionnelle, vous montez tout en haut. Et vous pouvez avancer le temps jusqu'au l'heure de votre trajet. Vous voyez, 9h12. Donc là, vous faites, voulez-vous avancer le temps? Je vais faire oui. Donc là, il va être 9h17, voilà. Et vous faites démarrer le voyage. Si vous ne démarrez pas le voyage, vous allez avoir une pénalité à la fin. Donc, démarrez le voyage, voilà. Je monte dans mon bus. N'oubliez pas de faire l'appel de la
voilà, de lui, de, je sais pas comment il s'appelle, c'est l'annonce de la, de, du trajet. Et on va y aller. Donc là, vous avez la caméra de recul. Donc là, on peut changer de vue maintenant. Là, vous pouvez changer de vue avec le bouton R3. Donc normalement, on n'a pas les vues comme tourisme-bus. Par contre, c'est l'autre côté. Comment ça se fait que je passe de l'autre côté, moi? Ah, c'est quoi ce truc-là, là? Avance-toi! C'est quoi, je suis à l'envers ou quoi, moi? Ah, faut que je fasse demi-tour. Ah non, faut que j'aille par là, non, c'est bon. C'est moi qui dis une connerie. Là, c'est bon. Ah, je vais mettre en vue comme ça. Donc, on y va. C'est parti. Donc, vous voulez juste faire un truc, attendez, juste faire un truc avant. Ça m'énerve un peu. Donc, pour changer les trucs, donc je vais mettre ici, tac. Donc là, vous pouvez avoir un menu pour changer les, mettre les rétros, tout ça. Donc, pour changer la vue, c'est pour régler votre vue. Donc là, je vais mettre un peu comme ça. Mettre un peu où je vois bien mon volant. Donc, j'aime bien conduire comme ça, voilà. Voilà, je vais rouler comme ça. Je fais rond. Et là, c'est validé. Voilà, je refais très long, et voilà. C'est validé, voilà. Donc, je roulais comme ça. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we want to share some information about the journey. The wearing of seat belts is compulsory on board the bus. Please keep your seat belt fastened throughout the entire journey. Faut que je passe par là, ok, voilà. Donc là, voilà, du coup, on a 223 km. Alors, j'espère que le son sera bon, j'espère que le jeu sera pas trop fort au niveau du son. Ah, j'ai trompé de route, moi, du coup. Pourquoi me dites de passer par là, puis c'est même pas la bonne route. Non, non, c'est la bonne route, c'est bon. Mais attendez, stop! Moi, je touche ou pas, là? Ah, c'est bon. Voilà. Hop, on va peut-être faire attention aux autres usagers quand même de la route. Donc moi, pour info, là, je pense que vous le savez, hein, j'ai eu le jeu quelques jours avant et je trouve que j'ai vu quand même l'amélioration parce que l'IA a été vraiment pété au début du jeu, vraiment pas terrible. Donc par contre, je suis vraiment déçu quand même de ne pas avoir une mise à jour Day One. Parce que pourtant, Fabien Boulet m'en avait parlé sur, Messenger qu'il y aurait une mise à jour Day One, qu'il n'avait pas d'infos. Il pouvait pas donner d'infos sur la mise à jour Day One. Donc en fait, ça veut bien dire que ce mec-là dit des conneries. C'est un gros mytho. Bon, voilà. Que... Ah, elle est belle, cette statue-là. Donc là, on est dans le sud de la France, du coup. Que moi, quand j'ai commencé ma partie, dans le jeu, moi, je suis parti d'ici, moi, du coup. Je suis commencé de ma région, donc Rouen, voilà. Parti d'ici. Moi. Donc vous avez tout ce qui est touche. Alors, par contre, moi, je suis en mode arcade, donc vous pouvez pas tout faire, voilà, en mode arcade. Donc vous pouvez pas tout faire, vous voyez. Donc vous pouvez mettre les phares, ok. Les clignotants, les trucs. Le frein à main, vous pouvez pas y toucher. Ça, c'est les vitres. Le pare-soleil, la lumière, le klaxon. Ah, par contre, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas la topie. Ah, par contre, qu'est-ce qui se passe, là, ici? Oh, ça avance pas, là. D'accord, ça commence bien. Il y a des bouchons. Ah, il y a un feu rouge. Ok, d'accord. En fait, j'aurais pas dû avancer comme ça, mais c'est pas grave, tant pis. Parce qu'il y a un feu rouge. Ah bah d'accord, l'autre il a dispawn. Le véhicule a disparu. Trop cool. Bah attends, toi. Laisse-moi passer, toi, s'il te plaît. D'accord, le véhicule dispawn. Il y a encore pas mal de bugs dans ce jeu-là. On va attendre le prochain feu rouge, feu vert, je veux dire, excuse-moi. Donc après, au niveau graphique, le jeu est vraiment joli, je trouve. Vraiment, vraiment beau. Si je peux klaxonner. Donc après vous avez, comme je vous ai expliqué, donc là vous avez la climatisation. Le régulateur vitesse c'est ici, mais il faut rouler pour le mettre. Et ça, je sais pas à quoi ça sert. Ce truc là. Je sais pas à quoi ça sert, donc j'essaie de m'avancer quand même. Pour pas me faire avoir. Après les gens ils vont.
Ah, par contre, ça avance pas du tout. Ah, ça y est, ça va avancer là. Ah, bah non, ça va pas avancer, ça bloque là-bas. Donc, votre procès de la vie. Ah, mise à jour Genshin Impact, nickel. Bon, bah là, on n'est pas prêt d'avancer, à mon avis. Je sais pas si on peut faire le tour, par contre. Passer par là, par exemple. Je sais pas si on peut passer par là, parce que là, ça avance pas du tout. On va essayer de faire le détour par là. Je sais pas si on peut. Hein. Ah bah non, on peut pas le faire, du coup, le détour. Merde. Ah, c'est la gare routière, ici. En fait, ici, c'est la gare routière. Donc voilà, c'est chiant, des fois, quand il y a des PNJ qui bloquent la route. C'est assez chiant, je trouve. Ah, par contre, ça s'est mis à avancer, je crois, non? Ah, à mon avis, ça va être bloqué. Hein. La route va être bloquée. Hein. Ah, ça y est, ça avance. Bah, maintenant, c'est bloqué là-bas, regardez. Les gens, ils bloquent là-bas. Bon, bah, je vais faire un truc qu'il faut pas faire. Ah, bah, d'accord, je peux pas le faire du coup. Ah, ça avance pas. Ah, puis ça avance pas, c'est chiant. Bon, je sais passer par là. Sinon, je vais passer pour ce passage, mais ça me saoule. Je sais pas si ça passe là, ici. Ça, ça passera pas. Donc, je suis désolé, je suis obligé de le faire. Le mec, il avance pas. Allez, dégage. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. De toute façon, le mec, il avance pas. Voilà, c'est bon. Je suis débloqué parce que je vais pas attendre, je vais pas faire une vidéo d'une heure exprès pour l'IA, pour lui faire plaisir à l'IA. Donc, je suis désolé de le faire, mais bon, je suis obligé. Ça avance pas. Parce que des fois, vous pouvez bloquer pendant des demi-heures comme ça, hein, dans le jeu. De toute façon, ces vidéos découvertes, c'est pas fait pour vraiment montrer comment je conduis. C'est vraiment pour vous présenter le jeu. Comme ça, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bugs sur le jeu. Allez, c'est parti, on y va. On va aller par là. Je vais vous faire chier encore. Hein. Donc là, on essaie de quitter au moins... la ville de Nice, ça serait pas mal déjà de pouvoir quitter la ville. Ouais, au niveau graphique, c'est joli. On va pouvoir y aller, les verts. Celui qui accélère avant lui. Là, c'est limité à 60, on va pas pouvoir aller trop vite. Donc pour le régulateur, c'est trop... Alors, je trouve ça un peu cool comme bouton. Il faut faire, en fait, quand vous roulez, donc je vais vous montrer après sur l'autoroute, c'est le plus simple. En fait, il faut maintenir la vitesse et appuyer sur X et aller dans le menu contextuel. Donc, je trouve ça complètement con, je trouve, comme système. Ils auraient pu faire plus simple. Mais bon, voilà, hein, c'est... Cyrosluf, ils aiment bien faire des trucs compliqués. C'est vraiment joli, hein, le sud de la France. Moi, je suis pas encore allé dans ma partie, au sud de la France. Là, hier, j'ai déverrouillé Tours. Je suis en train de déverrouiller un petit peu la France, petit à petit. Là, c'est encore 60. On va essayer de doubler ça. Ah non, peut-être pas rester là. On va bien passer sur l'autoroute, ce serait pas mal. Ah, ça va être là, après le payage, il va y avoir l'autoroute. Donc oui, je confirme, vous pouvez le voir en vidéo, il y a bien des payages dans le jeu. Voilà, parce qu'on m'a posé la question. Après, je trouve la question était un peu bizarre, parce que on m'a dit, est-ce qu'il y aura des payages comme sur la version PC? Ben, c'est évident, c'est le même jeu que sur PC. Je vois pas pourquoi ils auraient supprimé les PC sur la version console. Ce serait con quand même.
Mais je sais pas, il y a tout le temps des gens qui posent des questions hein, assez cheloues, je trouve. Donc là, on est à 100. Donc je vais mettre à 100 km/h, vous allez bien voir comment ça se passe. Donc du coup, je vais mettre à 100 km/h en maintenant en même temps la gâchette d'accélérer. Et là, le but, ce serait de se mettre ici. Voilà, ici. Donc vous mettez ici sur votre régulateur de vitesse. Et quand vous voulez, alors, je vais attendre d'atteindre les 100 km/h. Dès que vous attendez, vous allez atteindre les 100 km/h, donc une vitesse de croisière, on va dire. Ou même avant, vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 100 km/h. Vous pouvez même le régler à moins. Donc là, je vais mettre à 100 km/h, à peu près. Donc là, je suis à 98, allez, 98, hop, je l'enclenche. Là, le régulateur est installé. Voilà, le régulateur est autoroute. Donc là, j'ai plus besoin de toucher au bouton R2 pour accélérer. Par contre, lui, je sais pas ce qu'il fait à traîner. Non, il y a des bugs d'affichage. Regardez les bugs d'affichage. Le camion, le bug d'affichage qu'il a. Donc là, normalement, c'est devoir aller vite, c'est que l'autoroute, c'est devoir aller assez vite. Pour ça, je voulais pas vous faire une grosse vidéo découverte parce que la plupart du monde, vous avez vu la vidéo. Donc comme ça, je vous fais une vidéo en 4K, comme ça, la vidéo sera en 4K. En 60 secondes, 60 images secondes en même temps. Vous aurez la meilleure expérience possible sur le jeu, bah, de la vidéo, je veux dire. En espérant que ma voix, on l'entende bien parce que je sais que sur ce jeu-là, on n'entend pas très bien la voix. J'ai dû même rehausser pour mes lives. Quand je joue à ce jeu-là, de rehausser le son du micro, sinon on n'entend pas du tout. Tellement que le jeu est fort. Je remets le régulateur. Voilà, hop, à 85 km/h. 86, ça suffit largement. Donc, ils ont supprimé alors sur le jeu, ils ont supprimé comme vous pouvez là, les remorques des camions. C'est ce qui ralentissait l'IA sur les autoroutes. C'était les remorques du camion. Pourquoi il ralentit? Ah, parce que c'est une côte, c'est pour ça. Donc encore 162 km. Donc là, on peut voir que si je fais start, on va bien à Nice et on va à Marseille et on n'a aucun arrêt à faire. Donc vous n'avez pas besoin de faire une pause. C'est pas obligatoire. Et comme je vous ai dit hier, quand vous êtes en Allemagne, alors je ne sais pas c'est qu'en Allemagne ou pas, vous avez des contrôles de police. Donc les contrôles de police vont vérifier votre permis de conduire, les papiers du véhicule, si vos passagers sont attachés, le temps de repos, etc., etc. Plein de trucs à contrôler et vous pouvez avoir des amendes, pas des amendes, parce que en fait, en gros, dans le jeu, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Par contre, au niveau du... Ça donne quoi au niveau de la girouette? Ah, je peux pas voir c'est quoi. Marseille, je crois. Ouais, Marseille, c'est écrit. C'est écrit Marseille. Donc on va bien à Marseille. Waouh. Gros lag là. Gros lag. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu un gros lag. Donc, 144 km, ça devrait, ouais, peut-être un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Il est que 9h30, je suis venu depuis 6h30 moi à cause de mon fils. Il m'a ravi de bonne heure. Ma compagne travaille ce matin et elle travaille aujourd'hui quoi. Et du coup c'est lui qui m'est arrivé à 6h30. Je suis waouh, ça pique. Donc faites attention à l'IA qui freine brusquement des fois sur l'autoroute. Donc c'est pas trop les coller parce que ça a quoi avoir des accidents. Après l'IA elle est beaucoup mieux qu'au début. Moi j'ai eu le jeu le 22 février et franchement je peux vous annoncer qu'au début la conduite c'était vraiment sur l'autoroute vous aviez tout le temps des accidents. Là franchement si vous gérez vos freinages tout ça et vous faites vraiment attention aux distances de sécurité, vous serez bien normalement. Vous n'aurez pas de problème.
Faut juste faire attention. Donc malheureusement, on n'a pas encore la vue. Au fait, avant, sur Tourisbus, on pouvait faire ça. Et les vues zoomées sur les tableaux de bord, sur GPS, tout ça et tout ça. Mais là, on peut pas le faire sur Fanbus pour l'instant. Il faut attendre une prochaine mise à jour. Donc comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour cette semaine. Donc ça c'est pas prévu normalement, d'après Fabien Bouleg. Donc moi, voilà, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas de mise à jour Day One. Donc le jeu est jouable. Ouais, franchement, même beaucoup mieux que sur Tourisbus. C'est beaucoup jouable. Mieux que Tourisbus, mais bon. Et on est bien en Unreal Engine 5. Je répète, on est bien dans ce moteur-là. Parce qu'on a eu la mise à jour hier et on a eu la nouvelle. Du coup, quand moi je lance mon jeu, c'est PS5 ou PC, parce que je l'ai aussi sur PC, Fanbus, on a la même intro au début du jeu. Donc ça prouve bien que c'est ce nouveau moteur. Il y a encore 111 km à faire. Ça va assez vite, les kilomètres, on les avale assez rapidement. Surtout, c'est beaucoup. Alors, je trouve que c'est beaucoup d'autoroutes dans le jeu. Il y a très peu de nationales. Très peu de nationales. C'est beaucoup d'autoroutes. Ça fait un peu comme quand vous jouez au TS2. En TS2, en fait, vous quittez les villes, après, vous prenez les autoroutes. C'est un peu la même chose. Grosse montée là. Je vais mettre la raquette à vitesse, ce sera plus simple. Hop. Il est à 103 le régulateur. Hein. Allez, 94 km, ça avance bien là. Ça c'est cool. On va essayer de passer tout ça. C'est d'aller le plus vite possible pour que la vidéo dure le moins longtemps possible également. Donc après, évidemment, dans les réglages, je peux vous montrer les réglages du jeu, vous pouvez changer plein de paramètres. Donc les contrôles, vous ne pouvez pas les modifier. Le jeu, vous pouvez modifier plein de contrôles, vous voyez. Montrer le tutoriel, etc. etc. Vous pouvez aussi sensibilité vision. Horizontale, sensibilité vision verticale, etc. etc. Diminue aussi l'IA, donc il y a eu moins la densité du trafic, etc. etc. quoi. Voilà, vous pouvez faire plein de trucs sur le jeu. Les graphiques, il n'y a pas grand chose au niveau graphique, je peux vous montrer ça tout de suite. Au niveau graphique, on a le gamma, le contraste, donc il est 1 à 1, et on a le daltonien, quoi. Voilà, c'est juste ça qui change. Encore 85 km à faire. C'est de remettre le régulateur vitesse si c'est possible. Bah, c'est possible toujours, mais comme ça c'est plus simple, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton. Ah, par contre, je sais pas à quoi ça sert ça. Voilà. Ah, c'est le ralentisseur arrêt. Je sais pas à quoi c'est ça, ralentisseur. Ah, je peux pas le mettre de toute façon. Voilà, hop, on a mis le régulateur pour me rabattre. Donc, par contre, des fois, on a des bugs de collision, je trouve. En fait, c'est-à-dire que vous allez doubler un camion, vous allez vous rabattre et vous êtes à peu près allé à 3-4 mètres de lui, mais vous trouvez que vous avez percuté le véhicule. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Après, en soi, voilà, le jeu, j'ai jamais eu de crash, de gros crash avec des messages d'erreur, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs où le jeu plante et vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes obligé de quitter le jeu. Donc, ça me l'a fait plusieurs fois, des trucs comme ça. Oh, le véhicule est tombé du ciel. Le bus là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu, mais celui-là est tombé du ciel, celui-là. Donc malheureusement, on peut pas zoomer comme sur PC. Malheureusement, c'est le petit truc qui est un peu gênant. Après, la version console, je la trouve beaucoup plus belle que la version PC. Après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Comme je vous dis, tout dépend de votre PC. Si vous avez un PC à 2000 balles ou à 3000 balles, forcément la version PC sera plus belle que la version console.
Je vous ai mis hier un exemple sur l'espace communauté de ma chaîne. Bah, vous avez bien vu la vidéo. Franchement, quand vous regardez la vidéo en 4K, c'est vraiment bluffant les graphismes. Comment c'est, c'est vraiment joli. Hein. Je vais me rabattre là. On arrive sur Marseille. Enfin, c'est la région marseillaise. Il faut vraiment que j'arrive à m'acheter un SSD supplémentaire pour ma PS5 parce que je commence à avoir presque plus de place. Là, ça commence. Il me reste 72 Go sur ma console. Donc après, j'ai pas mal de jeux que je joue pas. J'ai déjà supprimé un jeu, du coup. Mais après, voilà quoi. Donc là, on arrive sur un peu de national. Route. De route. Excusez-moi, secondaire. Voilà, route secondaire. Le reprend, il n'y a personne, on va essayer de prendre du temps. Si on peut gagner du temps sur le trajet, ça peut être pas mal. Là, j'essaie de rouler le plus propre possible en allant le plus vite possible. Voilà, faut tourner ici pour rejoindre Marseille. Pourquoi il n'y a pas les panneaux? On sait pas que par là c'est Marseille. Ah, du coup, là, je pense qu'on arrive bientôt au péage. Non, même pas. Bon, pas encore. Il a un peu de mal à accélérer le bus là. Oh, on voit la mer là. Oh, c'est joli. C'est la mer, ça? Je crois que oui. Je crois que c'est la mer, mais je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est la mer. Attendez, excuse-moi, je suis en train de rouler un peu de travers là. Bon, je pense que c'est la mer. Hein. On arrive bientôt au péage de Marseille. Alors, des fois, on a des trucs. Il s'affiche un peu en retard, vous voyez. Les textures qui s'affichent un peu en retard. Alors comment ça se fait que c'est à droite cette fois-ci le péage? C'est pas logique. Comment je fais moi? Ok, d'accord. Donc ça c'est pour les étrangers peut-être? Ah, c'était pour les étrangers peut-être. Ah, c'était ça, c'était parce que c'est pour les étrangers. Ceux qui viennent en France, ils ont la barre. Bah ouais, c'est sûr. Ils ont la borne à droite, du coup, la feuille à gauche comme nous. C'est pas mal comme truc, comme système. Donc là, on arrive à Marseille, il nous reste plus de 27 km à faire. Par contre, là, j'aurais dû mettre mes feux, mais c'est pas grave, tant pis. On essaie de rouler à 100 quand même. Pour aller le plus vite possible. Bon, normalement, je devrais pas être trop. Ça devrait pas être trop long comme vidéo dans le long. Donc j'espère qu'elle est bien en 4K, je pense que oui, normalement oui. Sur l'autoroute, non, pas encore, non. Ah, 18 km, c'est peut-être très loin. Regardez, c'est vraiment joli Marseille, allez, la ville de Marseille, là. Donc je sais pas s'il y a des lieux historiques à visiter, je suis pas sûr. Ah ouais, mais les textures, ils s'affichent plus tard, c'est vraiment chiant, quoi. Donc oui, c'est la mer qu'on voyait là-bas, regardez. On la voit au loin, là. Donc je vais ralentir un peu, me laisser porter par la descente. Par contre, il faut aller par là. Non, j'ai pas envie de faire ça, normalement. Ah, voie de bus, c'est écrit. Bon, c'est bizarre. À battre par là. J'espère qu'on va pas avoir de bouchon ici, ce serait un peu con. Tac. Oh, en plus, on a les voitures, c'est les plaques. Ah, c'est bien fait, ça, j'ai jamais regardé au fait. C'est vraiment les vraies plaques. Là, c'est plaque 13. On arrive bientôt à notre destination, donc on arrive sûrement à la gare de Marseille. Donc ceux qui sont dans le sud, vous me direz si ça ressemble pas mal ou pas.
contre, je peux me passer là. Voilà. Je me rabatte parce que je pense qu'il va falloir que je me rabatte. Ah, c'est joli ici. Ah, il y a même des pubs. Donc, au choix, c'est à l'aéroport, je crois. Je me demande si c'est pas à l'aéroport Marseille, je crois, le départ. Je suis pas sûr, je me demande si c'est pas à l'aéroport. Donc c'est bien s'ils ont fait les plaques par rapport à la région. Ah, ça doit être là-bas le gros bâtiment là-bas. Ah non, peut-être pas, attendez. Je vais me rabattre. Ouais, faut se rabattre. Par contre, faut aller par là, je crois, ouais. Faut que je me trompe de route. À mon avis, c'est là-bas. C'est à l'aéroport. Alors, belle-mère, Belle de Mai, lycée Victor Hugo, je sais pas s'il existe, Pôle emploi, ok. Là-bas, on a quoi là-bas? Alors, je vois pas d'ici, panneau. Centre-ville, gare SNCF ou Porte Saint-Charles. Je crois que c'est ça, Porte Saint-Charles. Donc aujourd'hui, arrivera 3 vidéos du coup. La vidéo découverte de la version PS5 de Fanbus, la version PC avec la nouvelle mise à jour, la vidéo découverte de Animal Shooters Simulator que j'ai eu un code via... ah bah attendez. Quoi ce bordel? Ah, fallait être tourné là, non? Ils m'ont pas dit. Ah, il fallait tourner là, mais ils m'ont pas dit de tourner. Bon, je fais un demi-tour là-bas du coup. Fais un demi-tour là-bas. Fais un demi-tour ici, parce qu'ils m'ont pas dit de tourner. C'est bizarre, ils m'ont pas dit de tourner, moi, c'est bizarre. Par contre, je peux tourner là, non? Je peux tourner par là. Ils m'ont pas dit de tourner, c'est bizarre. Sauf ça tardit, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est ici la gare ou pas? Ah non, je suis perdu moi, c'est même pas là la gare. C'est quoi ce bug? A mon avis, c'est là la gare. Je pense que c'est là, mais il me dit plus là où aller. Ah, à mon avis, c'est ici, mais il me dit plus où aller, d'accord. Ok. Bizarre. Le GPS il m'a perdu. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je sais que c'est ici de toute façon. Ok, d'accord. Donc, gare, Marseille déverrouillée. Hop, je suis arrivé. Tac. Je libère mes clients. Mon bus s'éteint, normal, je suis en automatique. Je libère les. Alors, je sais pas si je peux fermer les portes ou pas. Non, je peux pas fermer les portes du coup. Donc, ils ont pris leur bagage. Du coup, pour valider votre trajet, donc là vous avez fini votre trajet, vous êtes arrivé à votre destination, vous faites start et vous faites se déconnecter. Et là, vous allez avoir des statistiques. Donc voilà, j'ai eu un trophée normal. Hein. Économie, donc vous voyez, j'économie, etc. Donc vous voyez, j'ai bien contacté le central, je suis bien 1 sur... ah, excusez-moi, je suis bien 1 sur 1, le service, je suis bien, vous voyez. Code de la route, bon, priorité endommagée 1, moins 1. Et conduite, vous voyez, je suis vraiment bien. À part respecter vitesse, je suis à 90% et 91% roulé sur la route. Je fais continuer. Donc là, vous avez progressé d'un niveau. Et j'ai débloqué du coup deux trucs. Trois trucs même. Continuer. Je fais quitter. Donc du coup, je vais remontrer une dernière fois pour montrer la carte du coup. Normalement, vous voyez, votre périmètre s'est agrandi du coup. Vous voyez, votre périmètre, avant j'avais Grenoble, Marseille. Et Nice, et maintenant vous avez vu que le pyramide s'est agrandi. Maintenant on peut aller à Genève, Lyon, et puis Perpignan. Donc vous pouvez voir, c'est comme ça que votre carte va s'agrandir. Et après, au level 4, vous aurez toute la map directement débrouillée. Vous pourrez aller où vous voulez. Donc là, du coup, je vais vous remontrer une dernière fois comment créer un trajet. Par exemple, je fais Marseille, donc je vais faire Marseille. Donc là, je peux pas. Je vais faire nouveau trajet. Voilà, là je suis sur un autre truc du coup. Vous faites triangle. Vous faites Marseille. Perpignan. Voilà. Vous faites retour. Sauvegarder. Voilà, votre trajet est sauvegardé. Vous voyez, vous pouvez le voir. Votre trajet est... Donc moi je vais... Après vous pouvez le sauvegarder également. Donc vous pouvez le faire à tout moment. Donc moi je vais quitter.
Je vais revenir au menu principal pour vous montrer le truc que je vous parlais au début par rapport au level. Donc normalement, c'est différent parce que nous, sur PC, on a un rang. Vous voyez, moi, je suis là, c'est écrit rang 0, mais nous, sur PC, on a un rang. Donc là, vous voyez, progression pour le level suivant, c'est 16%. Donc là, j'ai déverrouillé l'enregistrement express. Je ne sais pas à quoi ça sert, l'enregistrement express. Je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai jamais testé. Et on a le Malion Coach C, voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, portez bien. Peace. Call.